Voici un pays où se trouve une multitude de chrétiens, une multitude de musulmans. On ne peut pas compter les églises, on ne peut pas compter les mosquées. Il y a des pasteurs, des évêques, des prêtres. La Côte d'Ivoire est remplie de croyants. La Côte d'Ivoire est un pays rempli de croyants. On ne les voit jamais se manifester quand il s'agit des choses de Dieu. Quand il y a un problème dans l'église, on ne les voit pas. Quand un prophète est porté disparu ou je ne sais quoi, ou dit qu'il est menacé, on ne les voit pas. Quand il y a un souci, un chantre égorgé par exemple, dans une église, on ne les voit pas réagir. Mais en ce qui concerne ballon, football, la CAN, voici que des prophètes qui doivent prophétiser des choses divines de Dieu sont concentrés sur des concours de prophétie. Je suis le meilleur prophète, c'est moi qui prophétise pour la CAN, c'est moi qui ai trouvé tel message, je vais dire ça, c'est ceci, cela. Ça dit que ballon est devenu Dieu en Côte d'Ivoire, de sorte que on va donner la victoire des Ivoiriens à un groupe de sorciers et de féticheurs dans un village. C'est-à-dire que ce qui me plaît et m'étonne dans cette histoire, c'est qu'il y a des pasteurs qui approuvent cela. Il n'y a aucun qui se lève pour parler. Il y a des bishops, des gens qui ouvrent leur bouche pour faire la morale aux gens, pour dire que les gens ne sont pas sages, pour dire que les gens prophétisent de cette ou cette manière. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire « Ne donnez pas la gloire de Dieu au diable. » Ils sont dans ce pays, on n'arrive plus à faire la différence entre Satan, Jésus, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous avez remarqué que vos éléphants là, malgré que vous avez parlé d'Akradio, avant le match, vous avez vu qu'ils ont prié, non? Hein? Vous avez vu qu'ils ont prié? Et quand ils ont prié, est-ce qu'il n'y a pas eu une surprise? Dieu vous a montré que même s'il n'est pas dans cette distraction qui s'appelle football, Dieu vous a montré que toute la gloire est à lui. Le match où les éléphants ont perdu là, le match où on les a gagnés 4-0, est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'ils ont prié avant d'aller jouer ballon? Mais quand ça a chauffé sur eux là, avant de rentrer dans le terrain, ils ont prié, non? Quand ils ont prié, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la Côte d'Ivoire a été surprise d'une victoire. Donc Dieu même vous donne des signes. Dieu vous prouve que toute la gloire lui appartient. Dieu vous prouve que vous ne devrez pas donner sa gloire à un être humain, à des idoles. Mais vous n'avez pas encore compris ce message. Et c'est normal, parce qu'on a dans le pays des pasteurs ou des prophètes, des bishops, des archibishops, des évêques qui ne savent pas faire la différence entre Dieu et le monde. Pendant cette histoire de CAN, il y a des pasteurs qui prennent le micro derrière leur chair pour inviter les chrétiens pour dire « Ne ratez pas le match de ce soir, hein. Allez-y au stade. Hein. » C'est-à-dire que leur évangile qu'ils sont en train de prêcher aujourd'hui, c'est ballon. Ces mêmes pasteurs, quand il y a un problème comme la disparition de notre frère Eli Pada, ces pasteurs-là ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Je vois même que il y a le frère d'Eli Pada qui est pasteur en Côte d'Ivoire. Le frère d'Eli Pada, lui-même là, quand la Côte d'Ivoire a gagné là, apparemment le monsieur était en train de danser, sauter, danser, danser. Mais je vous ai dit hier
qu'on ne choisit pas sa famille. Parce que dans ce combat pour Elie Pada, j'ai compris que Elie Pada n'était pas aimé par la plupart des membres de sa famille, à part son père et sa mère. Mais il a des frères, il a des sœurs, il a des membres de sa famille qui ne l'ont jamais aimé, qui souhaitent même sa mort. Donc même ce qui arrive à Elie Pada comme malheur, c'est une joie pour eux. Comment toi, on peut dire que ton frère, on ne sait pas où il est. Là, si tu sais où il est, il faut nous dire où il est. Comment le monde entier est en train de crier pour dire que quelqu'un a disparu et cette personne est ton frère. En même temps, on ne te voit jamais faire une publication sur ce point. On ne te voit jamais partager la photo de ton frère. On ne te voit jamais lancer un appel de soutien à ton frère. Mais lorsque la Côte d'Ivoire gagne et qu'on dit que ce sont les sorciers d'Akrayo qui ont donné la victoire aux Ivoiriens, toi, un pasteur, soi-disant, tu es en train de danser et de fêter la victoire des sorciers. Tu es en train de danser et de fêter la victoire des sorciers. Pourtant, quand les gens ont dit que c'est Akrayo, quel pasteur qui est sorti? Quel est l'évêque qui est sorti? Quel est l'archi-évêque ou qui est sorti pour dire non? Ne dites pas que c'est le diable qui peut nous donner cette victoire. Quel est le serviteur de Dieu qui est sorti? Il est où? Quel est le serviteur de Dieu qui est sorti? Voilà. Ils sont tous cachés dans leur coin. Ils sont tous cachés en train de prendre téléphone, se filmer avec maillot. Il y a des musulmans qui vont à la mosquée. Demain, vendredi, ils vont aller à la mosquée. Allah Akbar. Bismillah Rahmanim Rahim. Maliki Yomdin. Wayaka Nostahim. Et Dina Surota. Ils vont faire tout ça. Ils vont réciter la Fatia. Il y a des chrétiens catholiques qui vont aller faire notre Père qui est aux cieux. Il y a des évangéliques. Mais pour cette histoire de ballon, les gens sont en train de vous dire que c'est le fétiche, c'est les féticheurs. On dit qu'il y a une vieille qui a avalé le ballon. Après, on dit qu'il y a une vieille qui a craché le ballon. Elle a vomi le ballon. Les gens sont en train de donner la gloire au démon. Les gens sont en train de donner la gloire à Lucifer. Et il y a des églises, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui participent à cette gloire de Satan. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire est notre pays. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire est notre pays. C'est une joie pour nous. Mais on ne peut pas prendre la gloire de Dieu pour aller donner à Satan. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont prié en cachette, il y a des musulmans qui ont prié en cachette pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Même si Dieu n'est pas dans cette histoire, c'est une distraction. Mais quand on prie Dieu, Dieu exauce. Ne prenez pas donc la gloire de Dieu pour aller donner à Satan. Maintenant là, ce que vous êtes en train de faire, ça va devenir quoi? Ça va devenir concours de maraboutage. Aujourd'hui là, c'est les Maliens. Les Maliens vont faire leur maraboutage. Aziz 47 est venu dire que les Sénégalais faisaient fétichisme. Et lui aussi, il a fait fétichisme. Demain, ça va être quoi? Concours de maraboutage. Les Maliens vont faire pour eux. Et puis Côte d'Ivoire va faire pour lui. Football là, ce n'est plus ballon les gens jouent. C'est pour aller exposer les fétiches. Football là, c'est pour aller démontrer le pouvoir de Satan. Football, c'est pour aller montrer qui a plus de féticheurs dans son pays. Football, c'est pour aller montrer qui a plus de démons dans son pays. Et puis il y a des hommes de Dieu qui participent dans ça. Des gens qui veulent qu'on les respecte en tant qu'évêques. Des gens qui veulent qu'on les respecte en tant que pasteurs, qui prennent leur micro, leur caméra, leur téléphone pour faire des publications, qui participent. C'est-à-dire que ça me fait penser au veau d'or dans le désert, quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or et que Moïse était sur la montagne et que le peuple d'Israël est parti se rassembler devant le veau d'or pour adorer le veau d'or. Aujourd'hui, des pasteurs adorent le veau d'or. Mais je vous dis, peut-être que Dieu va avoir pitié de certains de ses enfants qui prient dans l'ombre. Peut-être que certains d'entre vous consultent des hommes de Dieu. Peut-être même que
certains même sont en train de traiter avec Eli Pada. Peut-être que certains sont en train de lui demander, frère, non, on reconnaît que tu es un vrai prophète. Il faut prier pour nous, il faut nous expliquer comment on peut faire pour remporter la victoire. Peut-être même que le match qu'ils ont remporté là, ils ont commencé à traiter avec Eli Pada en cachette. Parce que quand on nous dit, oh, il va sortir, on va le libérer, quand ça va finir, comme si on le garde en garantie pour dire, si on a gagné la CAN, on va te libérer. Peut-être que vous faites ça. Si vous faites ça, gloire à Dieu. Si vous consultez des hommes de Dieu, gloire à Dieu. Si vous priez avec des hommes de Dieu, gloire à Dieu. Si vous demandez à des hommes de Dieu d'intercéder, Dieu pour vous, gloire à Dieu. Mais, allez dire que c'est Satan, Lucifer, le diable, des féticheurs. Parce que vous n'êtes pas plus féticheurs que les Maliens. Vous n'avez pas plus de marabouts que les Maliens. Maintenant, si ça devient une histoire de marabout contre marabout, ça devient une histoire de fétiche contre fétiche. On fait comment maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que vous arrêtez ce genre de choses. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est se lever le matin, un dimanche matin, pour dire, oh, je m'en vais à l'église. Mais après, ton comportement ne reflète pas ça. Tu dis que tu es pasteur. Les païens sont en train de sauter pour dire que c'est le diable qui les a donné une victoire. Et toi qui es le pasteur, tu prends aussi ton micro, ton téléphone, et tu glorifies Satan dans cette victoire. Tu ne peux même pas dire non. Ce n'est pas le diable qui vous a donné cette victoire. Cette victoire vous a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth ou par Dieu Tout-Puissant. Bon, maintenant, Dieu vous a donné une chance. Je ne vais pas parler beaucoup parce que moi, football, là, je ne vais pas parler beaucoup dedans. Ce que je vais vous dire là, Dieu vous a donné une chance de vous repentir. Si vous continuez dans votre histoire de fétichisme là, Dieu va vous honnir. Parce que Dieu n'est pas plus avec vous que les Maliens. Dieu est avec les Maliens. Les Maliens là, Dieu est tellement avec eux. Ils ont pu chasser l'armée française. Ils sont en train de tuer les gardistes partout. Jusqu'à même ils viennent de sortir de la CDAO. Et puis ils sont en train de créer leur propre monnaie. Ils sont en train d'être indépendants. Tellement que Dieu est avec eux. Vous avez mis les Maliens, vous avez mis un bagot sur eux. Dieu les a protégés. Les Maliens là, Dieu est avec eux plus que vous actuellement. Hein. Ça je vais vous le dire. Donc, si c'est fétiche aussi là, ils sont fétiches là-bas. Donc, humiliez-vous. Priez le Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Libérez les pasteurs qui sont en prison. Libérez les prophètes qui sont en prison. Laissez les hommes de Dieu rentrer chez eux pour que Dieu puisse vous bénir. On va vous dire ça combien de fois? Mais vous comptez sur vous. C'est pour ça qu'on a envie de dire que si Dieu pouvait vous honnir pour que le Mali vous gagne 2-0, hein? Si vous, Dieu pouvait vous honnir pour que le Mali vous gagne 2-0. Je dis bien 2-0. Si le Seigneur pouvait vous honnir, là, je pense que prochainement, vous allez vous confier à Dieu. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Maintenant, même en Europe, tu te promènes en France partout. On dit, oh, votre pouvoir là, c'est, comment on appelle ça? Votre pouvoir là, c'est fétichisme. Votre pouvoir là, c'est, comment on appelle, le match là, pour gagner le match. Hein? Pour gagner le match là, vous avez fait des gris-gris, vous avez fait des fétiches. Akradio par-ci, Akradio par-là, Akradio par-là. Bon, moi, si les féticheurs ou les païens font ça, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas venu convertir tous les païens et les féticheurs du monde. Mais quand je vois des pasteurs, des prophètes, des bishops, des gens qui se font appeler évêques, et que je les vois en train de se pavaner avec le maillot de la Côte d'Ivoire, pendant que les fils du diable sont en train de donner la gloire à Satan, eux aussi viennent partager cette gloire, je dis, mais il faut que je sorte, sinon moi je m'en fous de votre... votre football,
ça ne va rien, ça va pas, c'est pas ça qui va remplir mon frigo, c'est pas ça qui va me donner à manger, ça paye pas mon carburant, ça met pas l'argent dans mon compte, ça va pas nourrir mes enfants, ça va pas m'acheter un terrain, je m'en fous de votre canne, vous gagnez, vous perdez, ça me fait ni chaud, ça me fait ni froid. Franchement, je m'en tape. S'il y a un mot que je peux rajouter, c'est je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Ça, je vous le dis directement. Parce que ça, là, ça ne va pas diminuer le prix d'une facture. Ça ne va pas payer le loyer de quelqu'un. Ça ne va pas. Donc, ceux qui vont gagner, là, c'est eux qui vont partager leur argent, leur gloire, leur richesse. Et les autres qui supportent, là, ils vont crier, wow, d'autres vont mourir même dans l'affaire de football, là. D'autres vont avoir accident de voiture. Et puis, ça s'arrête là. Donc, c'est devenu un dieu pour certains. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais ce que je suis en train de dire, pourquoi je parle, c'est parce qu'il y a des soi-disant pasteurs. On ne les entend jamais dans les problèmes de l'Église. Soi-disant bishops, évêques, on ne les entend jamais dans les problèmes de l'Église. Aujourd'hui, c'est concurrence de révélation, prophétie et publication sur la canne. Mais en ce qui concerne les affaires de Dieu, on ne les voit pas réagir comme ça. C'est à cause d'eux que je sors pour parler. Sinon, ballon là, football là, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. De la manière où vous êtes prêts là, les mariés aussi sont prêts. De la manière où vous dites que vous avez fétiche, eux aussi, ils ont fétiche. De la manière que vous allez aussi prier, eux aussi peuvent prier. Donc, moi ce côté-là, sincèrement, je m'en fous. Mais, des pasteurs en maillot, en train de glorifier Satan avec des païens que eux doivent convertir, qui sont en train de donner la gloire à une sorcière, à un sorcier, à un village de sorciers. Et puis ils sont là, ils ne peuvent pas démentir la chose. Et puis eux aussi sont dedans. Je dis honte à vous. Honte à vous. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. On les reconnaîtra, ceux-mêmes qui prennent, comment on appelle, micro derrière la chair pour parler de football, Dieu vous frappera. Ceux qui motivent les chrétiens derrière la chair, ils parlent de ballon derrière la chair, Dieu vous frappera. Ceux qui continuent à partager la gloire de Satan, quand on a parlé d'Akradio, Akradio là, quel est le pasteur qui est sorti en Côte d'Ivoire pour dire non, ne donnez pas la gloire de Dieu, prions le Seigneur, pour que Dieu agisse. Vous qui supportez le ballon là, parmi vous, c'est quel pasteur qui est sorti? Quand ils ont commencé à parler d'Akradio, Akradio, c'est quel serviteur de Dieu qui est sorti pour dire non, on ne veut pas entendre ce genre de choses, c'est Dieu qui donne la gloire, c'est Dieu qui donne la victoire, donc prions le Seigneur. Aucun d'entre vous, vous avez fermé vos bouches, vous êtes cachés derrière, vous avez supporté, ça veut dire que vous êtes, ça, vous prouvez aux gens que vous êtes des féticheurs cachés, vous prouvez aux gens que vous êtes des sataniques cachés. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Vous partagez la gloire de Satan avec le fils du diable. Si ceux qui sont féticheurs sont en train de parler d'Akradio de fétiche, je peux comprendre, ce n'est pas mon problème. Mais vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui supportez aussi le ballon, c'est normal, vous voulez vous distraire. Mais comment est-ce qu'aucun d'entre vous n'a pu sortir pour dire de ne pas donner la gloire au diable? Ça encore là, vous ne pouvez pas parler. Et vous êtes dans le pays avec vos maillots, vous faites des trucs. D'autres même, on dit c'est Akradio qui vous a fait gagner, ils s'en vont danser.